Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et franchement, je suis vraiment super content pour cette vidéo, parce que vous le savez, Manière Production, voilà, il avait avec toute sa communauté, donc moi j'en fais partie. On voulait vraiment le Battle Pack de la 501ème, et enfin on l'a, Lego a révélé aujourd'hui les images, voilà, donc cette boîte, elle sortira le 1er août 2020 pour 30€. Donc c'est un Battle Pack si on veut, mais un peu plus cher du coup, de 15€, parce que en construction à côté, on a le AT-RT, je crois que c'est, et le Bark Speeder, avec aussi deux droïdes. Donc au final, ça fait une bonne boîte avec 4 clones du coup de la 501ème et 2 droïdes. Donc ça fait vraiment plaisir, et je trouve que ça fait vraiment une très bonne boîte pour 30€. J'hésiterai peut-être même pas à m'en prendre deux vu le prix. Ou alors en prendre une et la prochaine l'acheter par exemple sur Amazon à 20€, comme en général il baisse toujours. Mais là vous pouvez voir, lui il a le jetpack bleu derrière, et que les jambes, enfin les bras bleus. Les deux autres là avec les bras blancs, enfin quasiment tout en blanc. Et je sais pas l'autre. Voilà, donc lui je pense être le commandant. Après je me connais pas vraiment non plus, mais le Bark Speeder a l'air vraiment cool, bien détaillé et tout. Et la TRT non c'est le RT lui, il est vraiment bien avec les deux clones. Donc ça fait vraiment plaisir, et là l'image elle est vraiment cool, donc ça fait vraiment super plaisir. Donc ils ont déjà, c'est si on veut la première boîte du mois d'août, enfin à part la Briquettes hein, qui est révélée, parce qu'après il y a la TAT et tout le bordel aussi, le Night Buzzard et tout. Donc ça fait vraiment super plaisir. Voilà, donc après ça, bon je voulais poster sur Instagram, du coup j'avais raison, boum. Parce que bon, souvent ces rumeurs et tout, on sait pas trop, mais là lui quand il met ça, c'est que c'est vraiment en train d'arriver. Surtout que je vous ai mis aussi sur Instagram la photo de l'image du pilote du A-Wing. Donc à mon avis ça va être un A-Wing, ce sera ça du coup, A-Wing UCS pour 200€. Mais après je sais pas si ce sera un rouge ou un vert comme celui-là ou quoi, on verra bien. Et donc là j'avais juste pris la photo du site Lego, voilà, les soldats clones de la 501ème Légion, voilà, pour 30€, disponible le 1er août, et du coup pour 7 ans et plus, 285 pièces, ça fera 225 points VIP, et c'est la 75-280, donc voilà, donc ça fait vraiment super plaisir. Et aussi, bon ça j'en ai pas parlé parce que bon moi je m'en fous un peu, et du coup j'attendais qu'il y ait autre chose qui m'intéresse pour vous faire la vidéo, mais il y a eu la boîte Lego Technique Fast and Furious, la Dom's Dodge Charger, qui va sortir aussi, là je crois pour 110€, bientôt, je sais plus exactement. Mais bon, ça, moi, les boîtes techniques et tout, je m'en fous un peu, donc c'est pour ça que je l'avais pas fait. Mais bon, ça, sûrement, ça sera ravir quelques fans. Mais moi, franchement, là, je suis vraiment hyper content et excité de pouvoir avoir cette boîte. Elle est vraiment super cool. Donc, n'hésitez pas, du coup, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à liker, à regarder toutes les vidéos, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut.